de partager mes cadeaux de Noël avec vous. On est le 25 décembre et j'ai eu mes cadeaux hier soir. Et si vous vous en souvenez, j'avais fait ma wishlist. Du coup, on va voir si mes cadeaux de Noël, et ben, il y a des choses que j'avais commandées dans la wishlist. Alors là, on va passer au premier cadeau. Donc comme vous le savez, dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté la Orsulia Box. Et en fait, ils m'avaient contacté pour que je puisse découvrir leurs produits. Et là, j'ai reçu la box de Noël. Donc je ne l'avais même pas ouvert, j'ai rien fait de tout ça et tout. Elle est encore dans le colis. Du coup, on va vraiment tout découvrir ensemble. Donc j'ai très très hâte. C'est parti. Alors, je l'ai ouvert déjà en deux. Enfin, j'ai ouvert le carton comme ça. Donc, on va l'ouvrir. Alors, c'est toujours la même boîte que la première box que je vous avais montrée. Elle est très très belle. Le carton là. Oula, le nœud, j'ai défait. On va remettre. Voilà. Donc, là aussi, la box, elle est comme ceci. Elle se présente comme ça. Et elle est vraiment super super belle. Et je suis super contente de l'avoir reçue. Et c'est parti, on va l'ouvrir ensemble. Donc le petit nœud, je les garde à chaque fois parce que ça peut vraiment être utile en vrai en déco et tout parce qu'ils sont super beaux, les petits ruban comme ça. Donc voilà, là c'est la Orsulia Box. C'est quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà, et j'ai fait tomber quelque chose. Alors j'avais fait tomber le petit papier, donc ils mettent toujours un petit papier de remerciement et dessus c'est marqué décembre, l'équipe Orsulia Box vous souhaite un joyeux Noël et une belle année 2021. Et derrière il y a tous les produits qu'on peut avoir, donc moi je vais garder le suspense et je vais regarder. Alors on va ouvrir, on va enlever le petit papier. Alors j'ai eu des bandes comme ça. Elles sont super belles, bleu marine et marron en plus. J'aime trop, elles sont trop trop belles. Alors regardez, c'est des bandes en polaire de luxe. Et elles sont trop belles, je les aime trop et je pense qu'elles vont super bien aller à la silhouette. Donc c'est cool. Ensuite, j'ai eu... c'est quoi? C'est du goudron pour les sabots, donc comme ceci. Et franchement, j'en avais pas en plus et ça va être super utile. Donc franchement c'est des produits super utiles que j'ai pour l'instant. Ensuite j'ai eu une huile pour le cuir comme ça et j'en avais plus, du coup ça va être super pratique pour huiler ma selle. Ensuite j'ai eu une paire de chaussettes, donc c'est des chaussettes Soul Horse. Elles sont bleu marine. Attendez, je vais les ouvrir sans être plus près. Donc voilà, elles sont comme ça, elles sont super belles, c'est toujours pratique une paire de chaussettes. Et après le dernier petit cadeau, donc ça c'est pour Sewell et c'est des bonbons Candies Horti Miel. Du coup c'est au miel en fait et franchement c'est vraiment cool, je sais pas si tu vas bien aimer. Et puis ça change des bonbons qu'on peut acheter partout et tout parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Donc voilà, c'est vraiment cool. Et là aussi, je suis très douée comme vous pouvez le voir. Voilà, donc là la Orsulia Box elle est vide et je vais tout remettre dedans et voilà. Donc franchement je les remercie énormément pour tout ce qu'ils ont mis dans cette box. Ça me fait super super plaisir, c'est vraiment des choses très très pratiques que j'avais même pas en plus. Donc franchement c'est vraiment top. Donc tout remettre dedans, mettre les produits. C'était tout ce qu'il y avait dans ma box, Orsulia Box, et franchement je suis super contente. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des bandes et tout, donc franchement c'est vraiment top. Je les remercie énormément et je leur fais plein de gros bisous. Alors vu que je suis ambassadrice d'Orsulia Box, j'ai pu bénéficier d'un code promo. Donc mon code promo il est juste ici, c'est Alissa, et vous pouvez bénéficier d'un code promo de moins 10%. Et par contre, il n'y aura que 10 personnes qui pourront bénéficier de ce code. Donc surtout, dépêchez-vous. Ce code est valable jusqu'au
14 janvier. Et franchement, dépêchez-vous parce que j'ai prévu quelque chose sur Insta pour les personnes qui la commanderont. Je vais vous faire un petit concours. Je tirerai au sort une personne des 10 qui aura utilisé mon code promo et commandé leur CEA Box du mois de janvier. Et vous gagnerez un petit cadeau. Je vous mets le hashtag juste ici maintenant. Et surtout, utilisez-le dès que vous aurez reçu votre hors CEA Box. Alors maintenant, on peut passer aux autres cadeaux. Alors, je tiens à préciser que j'ai Noël et anniversaire en même temps. C'est pour ça que ça peut paraître beaucoup. Mais parce que j'ai eu toute ma famille regroupée. Donc, j'ai eu environ 2 cadeaux par personne. Ou un cadeau collectif. Et c'est des gros cadeaux. Du coup, c'est vraiment bien. Mais ça peut paraître un peu beaucoup. Des choses qui sont chères. Mais sachez que c'est pas que pour Noël. C'est aussi pour mon anniversaire. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer tout ça. Alors sur ma wishlist, j'avais demandé un nouveau téléphone ou alors faire réparer mon iPhone 7 et j'ai eu un nouveau téléphone, donc c'est un iPhone XR comme ça. Je suis super contente, je m'attendais pas à avoir un téléphone comme ça et tout, donc franchement c'est vraiment top et je remercie énormément toute ma famille parce qu'il y a beaucoup de personnes de ma famille qui ont participé pour ce téléphone, donc j'ai remercié énormément. Ensuite j'ai eu donc... Ça, c'était de la part de mes grands-parents. J'ai eu un amortisseur lamicelle, comme ça. Il est vraiment trop beau. Donc, l'intérieur tout en moumoute, comme ça. Et franchement, c'est un super beau cadeau parce que j'en voulais un aussi que j'avais noté sur ma wishlist. C'est un super beau cadeau car je l'aime trop en bleu marine et beige avec la petite moumoute et tout. Ça va trop bien aller à Sewell. Donc, je les remercie énormément pour cet amortisseur qui était en plus demandé sur ma wishlist. Alors ensuite là c'était pour moi, j'ai eu une trousse à paillettes comme ça et à l'intérieur, si j'arrive à l'enlever ce serait cool, j'ai eu, c'est bloqué, voilà, des bombes de bain comme ça, donc franchement elles sont trop belles, j'aime trop le packaging et tout, et après en plus c'est des bombes de bain arc-en-ciel, donc j'aurai un bain arc-en-ciel, c'est vraiment trop bien, et après la trousse donc elle est hyper grande, donc là-dedans on peut mettre plein de trucs et à l'intérieur elle est comme ça, il y a même des petites pochettes et tout, donc franchement c'est trop bien, j'aime beaucoup ce cadeau parce que c'est des choses qui sont super utiles. Alors ensuite j'ai eu une paire de guêtres avec les protège-boulets qui vont avec, donc c'est des guêtres marron comme ceci, elles sont vraiment super belles en moumoute, franchement j'aime beaucoup, c'est des Horse Guard, donc elles sont super super belles. Je m'attendais pas à avoir une paire de guêtres parce que j'avais déjà eu une paire de guêtres noires. C'était des... Je sais plus du tout si je vais vous mettre ici le nom de la marque de mes guêtres. Mais franchement, avoir une deuxième paire de guêtres c'est vraiment cool parce que j'en avais qu'une. Et en plus, elles sont super belles, donc franchement je suis super contente. Ensuite, j'ai eu... un Nicole Kenstucky, j'en voulais un, j'avais pas mis dans ma wishlist et je m'y attendais pas à voir ça. Si je l'avais mis dans ma wishlist en fait. Donc voilà, Kenstucky comme ça et franchement, il est beaucoup trop beau, tout en moumoute comme ça, beige. En plus, la moumoute et tout de mon amortisseur et de mes guêtres, c'est beige. Du coup, en vrai on peut trop faire des belles photos et tout. Du coup, c'est trop bien, j'aime trop, il est trop beau et c'est de la part de mes parents, donc franchement je les remercie énormément, j'en fais plein de gros bisous pour ce beau cadeau, voilà voilà, il est trop beau. Alors ensuite j'ai eu des Nike, donc j'ai eu des Air Force One, elles sont comme ça, voilà, elles sont trop belles, je les avais au pied là, du coup je les ai enlevées pour pouvoir vous les montrer, elles sont vraiment trop belles, j'aime trop avec les deux R, là il est en blanc, là il est en bleu. Donc franchement, elles sont sublimes. En plus, je savais même pas que j'allais les avoir parce qu'on avait été faire les boutiques à Paris et tout. Et genre je les vois, je dis, oh elles sont trop belles et tout. Et mes parents, j'avais dit ça, ouais, non, j'aime pas trop moi, machin. Puis je les ai eu à Noël, du coup, je suis vraiment trop contente. Elles sont trop belles. Je kiffe. Ensuite, la dernière chose que j'ai eue, et franchement, je suis super 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 contente, c'est des bottes Fellini. Alors elles sont trop belles, je vais vous les montrer. J'avais pris la pochette en rose comme ça
Parce que pas beaucoup de personnes me l'ont, donc voilà. J'ai pris en rose, ça change et c'est original. Maintenant, je vais vous montrer mes bottes. Alors, si j'arrive à les sortir, ce serait bien. Voilà. Et voilà mes bottes. Elles sont comme ça, donc elles sont trop belles. Là, il y a le petit truc féminin. Sont comme ça et franchement je les aime trop, elles sont trop belles. Ça faisait hyper longtemps que je voulais des bottes en plus. Je sais plus si je les avais demandé pour ma Michelle, je crois, parce que c'était une des choses que je voulais le plus. Donc franchement je suis super contente d'avoir eu les bottes Fellini, car en plus c'est une bonne marque et voilà, donc je suis trop contente. Et ça, c'était de la part de toute ma famille, de mes oncles, mes tantes et tout. Donc, c'est trop bien. Je vais les refermer. Je vais les refermer bien la pochette. Voilà. Donc, j'ai remercié énormément pour ce cadeau. Ensuite, j'avais eu aussi un peu une petite pièce du côté de mon père, de mes tontons et tout. Et une tirelire pour en mettre. Mais là, je ne l'ai pas sur moi à les ranger et tout. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, c'est tout ce que j'ai eu et franchement c'est vraiment top. Je remercie toute ma famille de tous ces beaux cadeaux et voilà, je leur fais plein de gros bisous. Ensuite, je remercie aussi Box encore pour cette box de Noël que j'adore énormément, qui est vraiment top et voilà. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, partager, commenter comme vous le faites à chaque fois. Ça me fait super plaisir. Surtout, n'oublie pas qu'il y a mon code promo de moins 10% sur la Orsivia Box. Dépêche-toi d'aller la commander car il y a seulement 10 personnes qui peuvent la commander. Enfin, qui peuvent bénéficier de mon code promo. Je vous mets mon code promo encore une fois juste ici. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bye!